Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2024. En tout cas, je vous remercie, vous qui êtes nombreux, qui ont décidé de cheminer avec moi. Merci en tout cas pour tout le monde qui s'abonne. Continuez à vous abonner. Continuez à partager nos émissions. Nous sommes vraiment très ravis et ça nous fait de la joie lorsque nous voyons que vous êtes nombreux et que vous êtes toujours présents à suivre nos émissions. Et surtout, lorsque vous réagissez, lorsque vous laissez les commentaires, en tout cas, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Merci en tout cas pour ceux qui sont en dehors du pays, je parle ici de la diaspora, des États-Unis qui beaucoup de gens s'abonnent et continuent à m'appeler pour me poser la question sur les questions d'actualité. Et moi, comme je vous avais expliqué dans les petites vidéos que je fais en direct, pour vous dire que nous avons des tranches que nous devons aussi respecter et comprendre effectivement le cheminement de comment nous sommes en train de nous balancer ou bien de cheminer avec vous ensemble dans cette lutte dont nous avions choisi à réveiller les consciences de vous, les Congolais, de tous les compatriotes pour le bien de notre pays. Donc, je suis avec vous, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je suis pratiquement disponible. Si vous m'appelez pour à ce que je puisse expliquer quelque chose dans l'espèce et dans tout ce que vous me suivez, toutes les questions là dont vous me trouvez, où vous me retrouverez, je suis toujours prêt à répondre et à essayer d'expliquer ma position. Aujourd'hui, nous sommes les 16, comme je vous avais dit, nous allons parler de quoi? Comme vous l'aviez lu dans le titre, mes chers amis, il y a un petit souci que moi j'ai remarqué dans toute cette cacophonie des guerres, de toute cette tribulation dans laquelle notre pays est trempé. De l'autre côté, on parle de l'UDPS qui se disloque, on parle de l'UDPS, un patrimoine national, on parle de Kofi Olomide qui est ici en Afrique du Sud, on parle de toute la guerre de l'Est, et finalement, il y a quelque chose que moi j'ai décelé et que je voudrais en parler aujourd'hui, c'est cet état apolitique de l'État. Cet état apolitique de l'État, nous avions constaté maintenant que la vie de notre pays, tout ce que nous faisons, ou tout tourne autour de cette politique, et même l'appareil de l'État est devenu politisé. La politique a prédominé dans tout ce que nous faisons et l'État, qui dès le départ était apolitique, devient un instrument pour la promotion de certaines personnes. Un groupe de gens s'accapare de l'État et ils se disent qu'ils sont politiques parce qu'on y arrive par les élections, c'est la politique et l'administration n'existe pas. Alors aujourd'hui, nous allons un peu nous pencher sur cette problématique. Comment est-ce que nous pouvons détacher? Comment est-ce que nous pouvons respecter notre constitution? Parce que ici, nous allons examiner les articles 50 d'abord. Nous allons aussi examiner les articles 193, 188 et le dernier article, si nous avons le temps, l'article 189. Donc nous irons de l'article 188, l'article 189 et l'article 193 ou bien 193 comme disent d'autres personnes. Nous allons voir ce que dit notre constitution sur l'état de notre état. Est-ce que cet état-là est politisé comme aujourd'hui on parle à ce que le président de la République, la famille, c'est l'UDPS qui est au pouvoir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons l'examiner dans ce numéro d'aujourd'hui. D'abord, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, la Constitution et la politisation de l'État, de l'administration publique.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Guerre en RDC, nouvel entretien entre Anthony Blinken et l'Angolais João Lourenço. Kinshasa, ce témoignage frappant d'une habitante de Pacajuma, professionnelle de sexe. Ituri, plus de 10 villages récupérés de mains de miliciens en une année. On va sur actualité.cd, résurgence d'attaque de miliciens Mobondo. Le VPM de la défense en tournée dans la région de Bandundu, nouvelle perspective de paix entre les communautés en vie. Est de la RDC, la violation de la trêve se poursuit. Au moins 3 morts, dont un militaire, dans une nouvelle explosion ce mardi à Bweremana. Goma, un mort et 2 blessés lors d'une opération policière qui a mal tourné au camp des déplacés de Bouimba. Congo profond, la vie comme un voyage, vivre instant présent avec intensité. Vanité républicaine, quand l'admiration des autorités aveugle une nation en détresse. Et puis Mercanto, Mwimba Issa la signe à Clermont Foot 63 jusqu'en 2027. 7 sur 7, l'invitation de l'artiste Koffi Olomide est une insulte pour notre peuple, dit Martin Fayoulou. Et puis, aucune perquisition n'a été opérée au domicile de Koffi Olomide. Il est libre de ses mouvements, dit le ministre de la Justice. Et puis, politique migratoire, la majorité des 1238 demandeurs d'asile congolais en Belgique en 2023 ont menti dans leur déclaration migratoire. On termine par Radio Okapi. Témoignage d'une habitante de Pacajuma. J'aime le métier de sexe. Et puis, Massissi, 7 morts à la suite de bombes larguées par le M23 en 2 jours à Bweremana. Kinshasa, près de 50 apprenants en master d'écologie présentent leur projet de recherche de maladies infectieuses. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc aujourd'hui nous sommes là, encore une fois de plus, pour essayer un peu de réfléchir. Nous sommes dans des réflexions. Ici, nous essayons un peu de réfléchir parce que moi j'ai constaté une chose, Bande Konangai. Si nous ne réfléchissons pas sur ce que nous allons faire, nous risquons de tomber dans les choses que nous faisons à peu près parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ainsi que moi je me suis dit, il faudrait que nous puissions passer par des temps de réflexion où nous allons nous mettre à réfléchir un peu. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi est-ce que sommes-nous arrivés là? Motivation na biso tozo kende wapi, mokezo kende wapi, ezo dirige na ndenge nini? C'est comme ça que nous nous sommes dit, réfléchissons d'abord. D'abord, le hic que moi j'ai constaté dans toutes les discussions, sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur TikTok, Instagram, les lives qui se font par les télévisions à Kinshasa, et par-ci, par-là, les analystes, sur TikTok, sur X, bisogno sotokwei na mutambo wana oyo IDPS, mabe oya IDPS ezako sale makuna, et komi généralisé. Pourquoi on dit que c'est l'IDPS qui est le parti au pouvoir? Est-ce vrai? Est-ce que c'est l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui? Est-ce que parce que Tshisekedi vient de l'IDPS, qu'on peut dire que IDPS a un pouvoir lelo? Ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Parce qu'on dit que non, Makambo ezakolekana IDPS ezako concerné par l'État. Est-ce que nous sommes dans un parti État? Parce que c'est de là où nous sommes en train de partir. Et tout le monde est emballé dans ce trend-là en disant IDPS a Kwesimboka. Depuis quand est-ce que nous sommes encore dans un parti État? Ou bien nous sommes en train d'y aller petit à petit parce que
c'est le public, c'est le peuple congolais qu'on est en train de miroiter en disant que tout se passe à l'IDPS. Tous les problèmes, batoua IDPS malobi qui est depuis Mokonzi na Bangwa, comment Mokonzi, bazoua Kamisalate. N'avons-ils pas dit dans la Constitution que l'administration publique est apolitique? Nous devons nous dérober de cette manipulation. Ça, et sa manipulation, Zoya, et le danger, ils ont ça là que tous ceux qui ne kaka kuna na parti état. Donc, ce que ça nous doit payer, il y a IDPS te okozwa kamusala te na République démocratique du Congo. Ce que ça nous doit payer, il y a parti oyo chef Azan Nakati okozala kamusala te. C'est ainsi que c'est ainsi que vous allez voir lorsque on nomme quelqu'un dans un ministère, dans l'administration publique, la première des choses à faire pour que son mandat, pour que son passage dans ce ministère-là soit reconnu comme succès, il faut qu'il ait engagé, qu'il ait donné du travail à tous les militants de ce parti politique. C'est une aberration, mes frères amis. Nous avions dit, et la Constitution dit ici que l'administration publique est apolitique. Je vais vous lire cet article-là de la Constitution qui proclame effectivement que l'administration publique est apolitique. Est administration publique, est police, est ma force de sécurité. Ça, ce sont des organismes apolitiques. Ils ne fonctionnent pas pour quelqu'un. Ça, je vais lire d'abord l'article 183 qui parle de cette de la police nationale. Il dit ceci: la police nationale est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propres fins. Mutumo kote koyo kosa la keno force ou bien sécurité et comme kosa lelaye. Nous avons vu quoi dans cette magistrature d'aujourd'hui? Même depuis quelques temps, même Togo le Bakaka nani président Félix Cité. Kabila aussi a fait la même chose. Mobutu a fait la même chose. Je ne sais pas, je peux me tromper aussi. Kabila le père. Comment il y a ça là-bas, milice, mokoboy, au service de. Or, ici, la Constitution l'interdit. Voilà comment est-ce que nous torpillons. Nous branchons tout le temps, nous violons tout le temps cette constitution qui nous régit. Donc, police nationale, l'armée nationale, l'armée doit être républicaine. Oui, qu'on a un service à Moutouté. Les lots ont le phare de ces Ezali, Kopotana, Potana, Kuna. On pense, on se dit, il faut envoyer les JR là-bas. Or, JR, c'est une milice aussi. Donc au service du président de la République, simplement la garde présidentielle. Est-ce que garde présidentielle n'est au bout de la bise au front? Voilà où, comment est-ce que nous avons politisé les choses. Et ça, c'est la violation de la Constitution. Tant qu'il y a un article Moussou 188. Article O et l'Obinin, article 188. Ici, comme je disais, que ça c'était la police nationale, c'est l'article 183. Nous allons dans l'article 188. Je vais vous lire ça. C'est pas celui-ci. Document Ngwezaliwa. Voilà. Donc, on dit ceci. Ça, c'est à l'article 183. L'article 183 dit: l'administration publique est apolitique, neutre et impartial. Nul ne peut détourner à des fins personnelles ou partisanes. Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés. Babilo kotoza komona siko mutu babe banome na Ojefrem azamutu ya IDPS batu ya IDPS bango tout ba espérer que na ba ozala engagé na Ojefrem. Ce qui m'a dit de pèse a commis Mukonzi, donc ça veut dire que le combattant a dit de pèse a kubanda kozwa misala. J'aurais voulu vous mettre une vidéo aujourd'hui
ya mutu moko oyo aza kombata aza ko se plaindre ke ti lelo oyo bazwa misala te. Ils ont lutté pendant 7 ans, 8 ans. Bazala kanase anzete me bazwa misala te. C'est comme si dès que ba lité ba baza koloba ke no bangone mutu ba komi si fati na pouvoir. Alors nous pensons que tozo kende mabe bande konangai. Nous sommes mal partis à tout retourner dans Mouzouri. Il y a des choses que nous devons absolument corriger. C'est cette caporalisation de l'État congolais. L'État congolais, donc, est à IDPS. C'est ainsi que Makambo est à Kolekana IDPS. Ça intéresse maintenant tout le monde. La discussion dans la space, dans la discussion dans le forum politique, on en parle. Et l'IDPS est resté au top là-bas. Kabouya doit partir. Tout ça. Au président de la République. Or, la Constitution dit quoi? Si tu vas dans les services publics, vous cessez d'être politique. Vous devenez quelqu'un de l'administration au service de la nation. Okende ko sala musala ya l'État. Musala ya l'État zanini za ko pesa ba combattant misala te. Vous devenez une personne qui doit servir tout le monde. Ozala na kati ya ba parti politique quoi que ce soit, vous êtes apolitique. Mais lelo oyo botozo yoka makambo IDP se komi na top comme si j'ai moko brillant oyo. Jamais on koki ko le kisata deux émissions na YouTube te 5 koyoka o IDP so boy boy. Et tout ça, ça gêne. Ça gêne. Pourquoi est-ce que nous ne respectons pas le texte? Nous ne respectons pas la Constitution. Constitution na biso tozo violenté ango mikolonyo so biso nyoso. Et c'est là la source de notre malheur. Source à malheur na biso yango wana. Batu oyo maintenant, qui vient de ce parti politique-là, bon, excusez ngai, nous tous nous suivons ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tozo landa yango et tout tozo comprendre yango. Depuis beaucoup de temps, au sein même de l'UDPS, il y a un problème à respecter le texte na bango. Et donc, ces gens-là, quand ils viennent travailler chez l'État, ils ne respecteront pas le texte. Et ils vont bafouer tout ce qui est écrit. C'est ça le grand problème que nous traversons aujourd'hui. Batou baza ko respecter les sous-soumibé côté. Les gens sont dans leur chimère. Batou na mutu baza na ba rêverie na bango. Nous ne connaissons pas finalement mboka za ko kende wapi. On ne connaît pas la vision. On ne sait pas ce que Fatih est venu faire effectivement à la tête de notre pays. Pourquoi? Est-ce que na cadre oyo ya structure ya mboka? Est-ce que za ba parti politique ne mutu dirija ka mboka comme ici en Afrique du Sud? La forme de notre constitution ne dit pas cela. Nabiso balobaka, en tout cas moi ce que j'ai compris même quand la politique a commencé à entrer tant na 1967 où on devrait en principe il y a une constitution de 1967 où on prévoyait quatre partis politiques et toutes les dispositions pour que Batouna Batou ba se retrouver na kati ya administration publique et Zalaka déjà bien écrit. Mais malheureusement ça n'a pas tenu. C'est là où est venue l'origine Yakopesa ba poste politico-administratif au sein de l'administration nationale. Na kati ya ba administration, na kati ya ba entreprise publique. D'ailleurs, les entreprises publiques ont été affectées il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est dans la deuxième république à Mobutu, à partir de 74-75, Tikomata, où le président de la République devrait nommer les mandataires publics. Ces postes-là s'appelaient les postes politico-administratifs. Ndeba poste babande ko loba yangwana. Donc, au sein de l'administration, tant mususu bokomo na DG, na DGA, ndeba za nommé, bat mususu bako suivre cursus normal,
yako évolué na kati ya ba entreprise publique. Mais il est arrivé à un certain moment où tout est devenu politisé. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas combien de postes sont politico-administratifs dans les entreprises publiques. Donc, c'est la politique. Donc, si votre Babiloko n'est pas réglementé, Bandeko, on a beaucoup d'autres, Babiloko n'est pas réglementé. Nous venons de suivre les élections à ANC à échouer qui pour obtenir majorité. C'est-à-dire que awa eza ba parti politique ne yaka ko implémenter ba vision à parti politique sur l'État. Comment est-ce qu'ils trouvent leur vision? Comment est-ce qu'ils peuvent implémenter leur vision dans ce parti politique? C'est pour cela. Na katia ba politique, na ba parti politique, eza place oyo, il y a des formations de cadres. Ces cadres-là devront aller exercer dans les entreprises publiques. Kounande bango ba kokende ko appliquer la politique même du parti politique. Bako kende ko appliquer ba mesure comment est-ce qu'il pense gérer l'État. C'est comme ça que dans le parti politique, il y a des ambitions. Comme disait Kabuya Bozo, yebango, Kabuya bande koloba la gestion des ambitions. Batunini, ongana lingina. D'ailleurs, moi, à un certain moment, j'ai collaboré avec un certain nombre de partis politiques pour aller les expliquer comment est-ce qu'ils peuvent se préparer pour gouverner pour l'administration de notre pays. Vous devez être un administrateur. Si vous devrez implémenter une certaine ligne de conduite, ou bien politique, ou bien vision abino, vous devez former vos cadres. Et ces cadres-là devraient savoir un directeur de cabinet, c'est qui? Un administrateur de territoire, c'est qui? Quels sont les outils qu'un administrateur de territoire doit avoir pour bien administrer son entité? Babino Kwana est sengaka formation. Lorsque on va à l'école du parti, ce n'est pas pour aller apprendre la politique, non. Vous allez apprendre la gestion. Cadre wana parti politique nabino et lobby nabango, par exemple, biso toza ba socialiste. Dans le socialisme, voici l'idée que nous voulons à ce que mboka na biso ekende. Alors vous allez former les cadres dans le socialisme. Entre-temps, vous devez faire connaître combien de personnes qui doivent être dans l'administration publique pour que bon mener politique on a pas bon implémenter on ne va pas lutter le pouvoir pour le pouvoir. Nous devons savoir là où vous nous amenez. Bande konanga lelo, est-ce que nous sommes capables de dire que nous connaissons là où Félix Tshisekedi est en train de mener notre pays? Moi je pense que nous sommes incapables aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que même si on dit qu'il vient de l'UDPS, mais qu'est-ce que l'UDPS veut implémenter? Progrès social, on a bako matérialisé en onengenine. Oh, ils ont comme une acronyme à UDPS. Bako matérialisé en onengenine. Est-ce qu'ils ont le tact? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour implémenter ce développement de la démocratie au Pronaka? Quels sont les atouts qu'ils ont? Comment ont-ils formé leur cadre? Mais cela, on ne les voit pas aujourd'hui. Toza komona yangote. C'est ainsi qu'il y a une certaine cacophonie parce que la constitution yango moko, on ne les respecte plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, na place bino bouti, boyoka kama solo na constitution te, espèce kabino, constitution na bino bo respecta kayangote. Ainsi, tous ces désordres-là sont transplantés du parti politique Bozoya nanani à l'État. L'administration publique, vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne respectez plus les normes. Et c'est de là que vient la tricherie, la corruption, la gabegie financière. Parce que vous allez mettre les gens à des postes qu'ils ne peuvent même pas. Alors, quelle est la solution, Bande Konangaï? Tout ça, nous avions vu, la distraction et Zaebele. Ici, nous parlons tout simplement de ces trois articles, 183, 188, 193, l'administration publique. De la présidence jusqu'au huissier, administration publique, nous sommes à la carte politique. L'administration publique, c'est apolitique. Les corps des magistrats, babilo kwa na nyoso, balobina ba composante nyoso, ou eza structure nyoso à l'état apolitique, inclut la police et l'armée. Ça, ce sont des institutions qui sont apolitiques. Mais les politiques nous jouent quel rôle? Politique, eza neti, bangone moutou baza ko se préparer pour ba kende ko changer. Makambundenge ezako salema sur le terrain. Et ils doivent se préparer. Nde ba cadre on a ba parti politique. C'est ainsi qu'il y a des élections. Ba élection on est à la ka. Pour nani ni pour batu o ba ko pesa. Programme à malamu. Ba ko expliquer programme à malamu na population. Ba lobi. Bisoso ki tozui pouvoir. Voilà comment est-ce que nous allons faire. Ici en Afrique du Sud, c'est l'État est politisé, c'est-à-dire que c'est l'ANC par exemple, quand il a gagné la majorité, c'est lui qui implémente sa vision. Bangone mutuba konome batuba koloba bino yo koza l'ambassadeur. Et ça siko bangone mutuba zana pouvoir. Mais chez nous c'est pas le cas. Nous nous préparons à aller dans l'administration, à aller exercer dans l'administration. Mais comme nous n'avons pas encore donné à ce que le chef du parti politique, ou bien le parti politique, où est-ce qu'on a gagné? Est-ce que c'est l'UDPS qui a gagné les élections? Non, nous n'avions pas voté les partis politiques. Même si la candidature de celui qui a gagné venait d'un parti politique qu'on appelle UDPS, ce n'est pas l'UDPS qui a gagné. Et donc, nous sommes dans une aberration lorsque nous disons que non, le parti au pouvoir. Non. C'est ainsi que bon, comment on a la constitution en Abisso? Lorsque le président de la République est nommé, il cesse d'être membre d'un quelconque parti politique. Il faut démissionner Kuna. Ne kakofoni otoza koyoka, oto ke n'est pas mon président Abisso, autorité morale en Abisso. Nous ne sommes pas encore arrivés à distinguer Yakotia frontière que Moutouana Azali Soussou membre te. Même les agents dans la fonction publique, ce qui a nommé, comme par exemple Gilles Alinguete, ou bien à cadre DGDA dans tous ces ministères-là, ces gens-là doivent cesser d'afficher les comportements politiques. C'est comme ça que nous sommes dit. Notre État est apolitique, elle est laïque. Tout ça que sa société atteint la religion, mon côté.
Et là, nous avions tombé dans la cette confusion. Okoyoka Batunyo, so IDPS Mutuezana pouvoir, IDPS. Donc, nous sommes mal barrés sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bandeko, ngai na ebisa kibino awa. Na lobi, moi, la solution que je propose, c'est la refondation du Congo. To reconstruire nano administration na biso. To reconstruire pays na biso. L'autre pays est voué na constitution na biso awa. Ezali ko prepare nzela poto kende na fédéralisme. Et ils ont adopté, je vais vous le dire dans une émission bien appropriée à qui la faute. D'ailleurs, vous qui êtes encore là, partagez les émissions, aimez si vous êtes encore là, aimez. Et puis, ceux qui ont abonné, abonnez-vous. Dans une émission à qui la faute, j'expliquerai comment Batou, hors la fonction publique, ils ne peuvent pas afficher un réfugié ou bien l'okomoko. Il y a appartenance à parti politique et songolo. Et donc, nous sommes dans le faux en disant que non, c'est l'IDPS qui est le parti au pouvoir. Non. Parce que le président Félix, en principe, ne devrait pas même s'y mixer dans les choses. Il le sait. À l'obéla biso à Mbala Nambala. Kenga Nazali sous membre à IDPS était. Naza président Abatounio, son Naza président, je rentre dans la fonction publique. Il ne peut pas afficher que Niaza IDPS, non. Notre État est apolitique, s'il vous plaît. Alors, j'ai parlé, je me disais, je vais vous dire ce que moi je pense de la solution qui pourrait sauver notre pays. Nous avions pensé que il faut que le président de la République, comme il a le pouvoir pour l'instant, qui puisse appeler les états de lieu de chaque de territoire. Atelier wana, ba état de lieu wana. Ils vont réunir les personnes, batunanu, le peuple congolais, en dialoguant. Ba peuple congolais wana na base, ba kende kosolo la. C'est-à-dire, chaque territoire devrait tenir à une date donnée, ba kende kosolo la, pour que nous puissions obtenir quoi? La cohésion nationale. Que nous puissions retrouver cette réconciliation nationale Toyokana. Le peuple congolais ne s'entend pas aujourd'hui. Tozana ba problème belé belé. Alors on ne peut pas résoudre ça au sommet. C'est impossible. Renversons plutôt le pyramide parce que base et Yokana et loba et s'entendre na ba principe de base y administration ya mboka na biso. Et c'est par là que moi je me suis dit, comme nous ne parvenons pas à respecter cette constitution, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un engagement de base de la population qui constitue notre pays. Ça c'est un point. Nous avons un problème qu'on appelle le problème de la majorité, les minorités des tribus. Nous avons 450 tribus. Et nous continuons à nous embrouiller dans la minorité des partis de tribus. Mais ma minorité, on a tokoye bangonde enin. C'est par le nombre de ceux qui composent ces tribus-là. Il y a des tribus dans le au Zaïre, hein, excusez-moi, moi je suis Zaïrois, dans le bas où elle est, où il y a des tribus qui tendent à disparaître. Pour trouver un lep, c'est pratiquement presque impossible. Ils sont rares. Mais ils ont un chef coutumier. C'est un tribu qui existe. Il y a les alours, il y a tout ça. Tout ce monde devrait s'entendre dans un cadre restreint. Bah, yo kanina nou naba principe de base à co-vivre ensemble. Et qu'on s'entende sur une nouvelle constitution discutée par les Congolais. Bah, Congolais, donc, il ne faut pas discuter Congolais. Il ne faut pas exalter que non, président de la République a sali sikoyo. Oh non, na ekoti a soki ni noana, ce qu'on appelle ça, ce qui commission, ce qui ni a kosa la constitution a sika. Non, il faut faire parler tous les Congolais, pas pour que bah Congolais bah yokana. Et ces Congolais, lorsqu'ils se mettront d'accord, il y a moyen que nous puissions dégager une constitution que nous tous nous respecterons, parce qu'il y aura dedans là, toutes nos propositions. Ba ideo na biso nyo se koza la kanakati kuna.
Et c'est par là que nous nous sommes dit, il faut qu'on appelle les états des lieux de chaque territoire, où le peuple congolais dans les territoires, dans les tribus qui se trouvent dans les territoires, vont désigner des personnes en disant « Bisso Batuna Bisso ». D'ailleurs, dans les territoires, tout le monde se connaisse. Et il y a moyen de trouver des consensus au niveau de chaque territoire. Et Batuana de Bakotinda Batuna Katia province, j'expliquerai ceci en long et en large dans une émission que j'appelle « À qui la faute ?» Et Zaliba émission Moko, Nazako Sala en direct, et que vous pouvez aussi nous appeler pour que vous puissiez donner votre point de vue. Nakosuka Awalelo, en vous invitant à vous abonner, parce que lorsque nous mettons les nouvelles vidéos, ou lorsque nous sommes en direct, vous serez notifié. Si vous cliquez sur la cloche ou la notification, et kaka na kokota direct, okoya comme ça, to sololi. Donc, lelo na sukina nu awa, en vous disant que toko expliquer comment est-ce que nous pourrons obtenir cohésion nationale na kosa la constitution ya sika. Les Congolais devraient se mettre comment nous allons aller avec un dialogue inter-congolais le vrai. Pas eloko oba ko bazako koko tirer ba ficelle té. Toko sa la dialogue ya ba congolais à solo, pas celui qu'on a fait à Lusaka, non. Le peuple congolais dans chaque territoire devrait prendre un engagement ya ko respecter mikanda o bango moko balobi. Voilà mes chers amis, en tout cas je suis très ravi encore une fois de plus à voir comment est-ce que nous sommes en train de nous abonner massivement et partager nos émissions. Ça me fait du bien lorsque je passe beaucoup de temps à discuter sur la solution que moi je suis en train de proposer ici. Et vous m'apportez beaucoup. Je remercie en tout cas ces gens baoba benga kangai. Na oyiko citer bino nommément parce que la plupart des temps lorsque nous demandons à ce que nous puissions citer les noms à des gens qui m'appellent, ils se disent non, ça n'a pas d'importance, mais l'idée c'est que cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base puisse être une idée principale que ba congolais ba s'approprier nango poto longola biloto longwa na buzoba otoza na kati lelo. Donc j'espère que vous avez compris. Nous allons encore revenir sur ça dans une autre émission à qui la faute. Nous sommes en train de regarder devant nous comment l'avenir se présente. Nous sommes en train de formaliser une vision de notre avenir en nous inspirant de notre passé, de notre histoire, pour corriger le présent afin que nos visions puissent être réalisables. Merci donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.